Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information. Monnaie, le franc malien, 60 ans après. Cela fait 60 ans jour pour jour que le Mali crée sa propre monnaie sous feu le président Modibo Keïta. La monnaie a été remplacée par le franc CFA au bout de 5 ans de mise en circulation. La célébration de cet anniversaire soulève des interrogations sur la politique monétaire que devra adopter le Mali pour assurer son développement. Le Mali, nouvellement indépendant, sort de la zone franc et crée sa propre monnaie le 1er juillet 1962. Ce sera le franc malien. La création du franc malien vise à financer le plan de développement économique et social pour une période de 5 ans, rappelle l'économiste Modibo Mao Makulu. Si vous avez votre monnaie, cela vous donne plus de marge de manœuvre, mais la monnaie c'est d'abord la discipline et la rigueur. Évidemment, toute monnaie doit être adossée à des avoirs. C'est très important en matière de gestion monétaire, soulignera l'économiste. Au bout de 5 ans de mise en circulation du franc malien, le Mali demande à réintégrer la zone franc. Une demande qui ne sera effective qu'en 1984. C'est au bout d'une conférence débat que l'Association pour la promotion des idéaux des pères de l'indépendance africaine, APIPIA, a commémoré le samedi 20 août au mémorial Modibo Keïta le 60e anniversaire de la création du franc malien. La conférence débat a été animée par un panel d'experts, dont Njoke Diarra, ancien ministre, Daouda Tekete, journaliste-chercheur, Gaosu Diarra, Modibo Mao Makulu, économiste. À tour de rôle, les experts ont tiré les enseignements de la création du franc. Selon les conférenciers, plusieurs difficultés ont poussé le Mali à réintégrer la zone franc quelques années après. Sa non-convertibilité est le principal obstacle qui a marqué au franc malien, a noté l'économiste. Pour qui il fallait que nous ayons encore recours à la France pour assurer notre convertibilité. Le prix d'une monnaie par rapport à une autre est fixé en fonction des échanges, mais si votre monnaie n'est pas consommée en dehors du pays, il va falloir des devises pour acheter à l'extérieur. Mais il faut aussi vendre à l'extérieur pour avoir des devises. Si vous ne transformez pas, évidemment, ça va être très compliqué, a expliqué le conférencier économiste. 60 ans après, quelle politique monétaire alors pour le Mali? Sur la question, les avis sont partagés. Pour l'Association pour la promotion des idéaux des pères de l'indépendance africaine, APIPIA, les événements politiques et économiques qui ont secoué la sous-région ces derniers temps, l'acuité de la question monétaire et leurs impacts négatifs et néfastes sur notre pays nous obligent à penser à la nécessité de la posséder d'une monnaie. De l'avis de l'ancien directeur général du Trésor, des banques et des assurances et gouvernements, suppliant de la Banque mondiale pour le Mali, Dr Abdoulaye Amadou Sile. Si le Cap-Vert a créé sa propre monnaie et arrivé à la gérer pour son développement, tout autre pays devra pouvoir le faire. Mais encore, précise le président de la coalition des forces patriotiques pour le Mali, la création monétaire repose sur la confiance et cette confiance, c'est le développement à la base ou bien
des garanties solides qui amènent les autres à avoir confiance au bien que vous émettez. Eh bien les amis, c'est de ce pas dont nous allons nous séparer. Restez connectés pour en savoir plus sur la monnaie malienne créée 60 ans il y a de cela. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rester à la une des informations en Afrique et le monde en continu. Bye bye.